Salut Ton, on se retrouve pour la suite sur Oh non, il y a juste deux bâtiments qui ont cassé un chez de vos elle. bâtiments Sur subit une ça a créé cataclysme. un incendie, mais il y a Ah juste mince, deux c'était les deux bâtiments qui qui sont t'avaient. cassés. Bah moi je Une peux rien juste faire. transaction. Quand je veux me révolter, elle me crame. Quand tu veux te révolter, elle te crame. Quand je veux créer une révolte chez elle, elle me crame. Vous êtes le diable en personne. Moi je crois que je peux. Bah, si En tu plus j'ai peux, les ouais. sous. Oh trop bien. Il suffit Hop, de donner au j'espère que peuple ça va une bonne passer. raison. J'espère aussi parce que. Ne soyez pas Si ça fait empressé. pas, ça va être un peu chaud. Bon, ça m'a Ouais, bah coûté des moi j'ai sous, toujours en train de tomber chez clairement. moi. Je commence à prendre un peu cher. Non, Le toi j'ai bâtiment se dit. casse tout doucement. La Essaye tempête de pas. sable s'est dissipée. On va venir là. Fin de la tempête de sable. Je vais couler un grand navire de transport. Mission Mais comment accomplie. je peux faire reculer ce Mission chasseur? accomplie. Pêcheur! Hop, ça va couler bientôt. Prend beaucoup de dégâts parce Vous qu'il a avez beaucoup de points. anéanti les dernières forces de l'ennemi. Ils vont où ces transports? En Ainsi, fait, ils t'as vont pas chez moi cessé quand de même. produire des marchandises. C'est elle Quelle ça? arrogance! Ah ouais, c'est elle. Mon dieu, où sont les tours? Là. Elle a classé un de ses bâtiments. De gars de guerre. Mais comment elle fait pour avoir autant de guerriers comme ça partout? On a fabriqué Salam beaucoup, hein. alaikum. Mais je C'est sais un même pas ce que honneur, c'est, moi. comme De quoi? toujours. Les grands camps? Ouais. C'est un truc qui se débloque avec le donjon. Regarde où est le donjon, si tu veux. À 510, Patricien. Pourquoi il va À là-bas, lui? 510, Patricien. Mais il est débile, il fait quoi? Oh merde, elle commence à créer un bâtiment de d'attaque terrestre chez moi. Tu sais combien il y en a chez moi? Elle en Combien j'en ai crée chez coulé? toi. Elle a coulé beaucoup. Donc t'inquiète. Mais Je elle en pense crée que. chez toi. Tu dis? Elle a pas créé de Elle a bâtiment avec des soldats chez 4. toi. Elle a 4 grands camps qui partaient en direction de mon truc. Donc j'ai essayé de les couler méthodiquement, mais. Votre esprit. Ah, elle a débasqué mon sbire. Mais regarde, il y a une révolte normalement. L'œuvre du diable. J'ai attrapé son bien. Hop, on va monter les nomades. Je vends le poisson en fait. Bon, moi j'ai clairement Ça va perdu faire là. max pour ça. Mais non, t'as pas perdu. Je gagne plus assez. Et je n'ai pas assez de bateaux pour faire le trajet pour regagner plus. Ah bah vu tout ce que j'ai fait, t'abandonnes pas, voyons. Mais mon trajet épice n'existe plus. Enfin, il y a Alante qui est censée le faire, mais. Alors ça marche plus? Regarde, sa ville brûle. Il y a une révolte dans un de ces deux. Dans le petit truc de ville qu'elle a. T'as réussi à faire des révoltes chez elle? Ouais, j'ai démarré des révoltes. J'ai coulé beaucoup beaucoup de bateaux. Il y en a un là C'est un aussi. de mes Ah non, meilleurs c'est pas navires. Vous là. avez T'as une là-bas. remporté la bataille. Ah ouais, va-t'en, top, top. C'est bon. C'est pour ça que je peux plus. Prends les matériaux et refais-en. J'ai coulé quasiment tous ces bateaux. Il reste un grand navire de transport là, certes. Du coup, je vais redescendre pour leur faire parce que sinon j'ai plus d'épices et du coup c'est la dèche. T'as réussi à taper des gens toi ou pas? Tu dis, Oui, ouais, je coule ces bateaux un par un. Hein. Ah oui, t'as réussi à faire un petit enflammé. Oh yes, ils se révoltent! Oh, c'est bien ça! T'as vu? Par contre, ils se révoltent sans. T'as réussi à faire ça toi? Y a même l'église qui brûle. Attention! Ils brûlent tout ce qui est important. Des garanties, mais.
Et là, pendant un petit temps, il va y avoir des gars qui sont chez elle. 3000 de base. Il a été décidé que cette quête vous serait confiée. Ça me plaît. Là, elle m'a rien fait. C'est là où elle a installé son château. Vous avez trouvé la personne que vous recherchez. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de ma terre natale. Elle a fait deux grands campements chez moi. C'était son but, mais je sais pas comment arrêter les grands pans. Comment je peux faire pour stopper les grands pans? Il faut mettre des tours à proximité. Mais j'ai des tours à proximité. Bah c'est bon, ils te protégeront. Je les apporte tout maintenant sur l'île là. Très bien. Spire ennemi. Mets des tours de côté du côté de ta ville aussi. De quoi? Mets une tour du côté de ta ville. Du côté de ma ville. J'ai rien compris. Quelle t'as des tours près de ton truc. Partout. Ah, j'ai compris ce que tu veux. On va mettre un bonhomme là. Votre parole est la loi de ces hommes. Un bâtiment qui se casse. Je peux pas l'éteindre, j'ai pas de bâtiment anti-feu à côté. Ah oui, d'accord, je peux pas poser de bâtiment anti-feu. Alors, ah bah voilà, là, désœuvré. Là, il y a mes tours qui tapent. Vous devriez aller vous confesser. Laissez-moi vous aider. Elle me demande 6000 pour la paix. Ah mais fais pas la paix maintenant que je suis entré en guerre. Il m'attaque, il est en train de créer un camp terrestre là. Et même si j'ai deux tours qui tapent dessus, je suis pas sûr que ça l'arrête. Ah tes tours elles vont le tuer je pense. Ok, elles sont deux. Mais faut que tu mettes des tours de l'autre côté. Parce qu'il y a deux camps qui vont arriver. Vous entendrez parler de moi. C'est de souffle. D'accord. Alors, je vais essayer de venir tuer son château. Il me manque 500 sous. Ah bah là, il s'est construit son bâton. Tu veux 500 sous? Ravi de vous accueillir. Payer un tribut. Et là, elle attaque ma tour. Donc, ça devrait suffire à réaliser quelques investissements lucratifs. Vous l'avez fait. Faut que je remette des C'est pour cette raison que vous avez. Un informateur bon, stagiaire. Pierre, mais... Il tape ma tour maintenant, les méchants. J'ai envoyé et un bateau. Et ça casse pas tout son bâtiment, hein, ce que j'ai fait. Hein. Ça presque rien. Tu fais 20 par 20 et elle te fait 11. À quoi pensez-vous? Bien plutôt là toi. Ces gros campements là, ces campements ils font super mal hein. C'est toi qui tape. Ouais t'as du soutien. Tu fais tellement plus mal qu'elle. Bah t'as vu, heureusement j'ai fait une armée j'ai moi. J'ai un bâtiment qui est en train de se faire casser. Et qui est vraiment mort. T'as un bâtiment qui s'est fait casser. Qui va se faire casser. Ah cabane de tisserand. Faut que tu reconstruises après. Ouais, les opportunités de construction de bâtiments ont été étendues. Très bien. Un de vos navires le sud, vous gérez une colonie extrêmement prog. Bataille navale, un de vos bateaux est attaqué. Toi, viens. Tant que ton bateau est tiré, il devrait pas y avoir trop de problèmes, non? Ah, mais t'as un autre de tes bateaux. Ah, t'as un bateau, t'as un petit bateau. Regarde, y'a un campement, je fais tellement plus mal quand il est sous forme de bateau. 250 par 250. Oui, il sera bientôt plus, mais. Ah zut, elle va m'attaquer mon autre. Elle va créer l'autre campement. Ah, mais là. J'ai du monde. 120. Ah, tu l'as fait hyper mal. Ouais. Il a plus beaucoup de vie son campement. Oh, tu prends hyper cher son campement grâce à toi. Tu peux encore le taper, tape-le. Hein. Ouais, là il est à 1600. Attention. Ah, je peux plus, je pense là. Il est trop loin. Ah ouais, tu peux plus le taper. J'ai mis une seule tour. Les détails doivent rester entre nous. Un peu plus d'affluence et d'autres émissaires. Moi j'ai des émissaires qui réclament plus, mais comme tu vois, c'est pas exactement le bon moment. Il y a un bateau là-bas? Non.
Il est à moitié de vie déjà sur notre bâtiment, donc je dois commencer à bien le taper. Petit navire de guerre. Grand navire de transport et vaisseau amiral. Elle a des bateaux qui arrivent aussi. T'as plus de bateau à toi? Non, elle a des bateaux qui arrivent. Ils sont pas à moi. Un de vos navires subit une canonnade. Ah mince. Alors j'ai deux bateaux qui me suivent, donc on va aller là. On va faire une autre tour portuaire. Ok, il y a le campement qui va mourir. Hop, un campement de mort. Et du coup ces troupes elles sont... Il y a combien le château? 3510, ça fait beaucoup par contre. Ah mince, je vais me faire descendre. C'est bien bien cher. Bah je vais me faire couler un bateau moi pendant ce temps là. Vous devriez aller un bateau qui prend cher une dernière fois. Alors, un autre bateau autre part. Bah, va taper le bateau autre part alors. C'est trop loin. À ce point-là. Ouais. Je suis obligé de reculer par contre. Je vais aller tuer ce bateau-là, ce sera bien. Je pense pas que je puisse sauver Mouette. Non, c'est la fin. Un de vos navires. Vous allez devoir débourser une petite somme d'argent. J'accepte cette transaction. Quel dommage pour votre vaisseau amiral. Mais ne vous inquiétez pas. Il m'attaque encore un autre bâtiment, du coup, avec son machin là. C'est mon bateau amiral, du coup, j'en ai récupéré un autre. Alors. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. C'est pas elle, ça, on est d'accord. Tous ces bateaux, ils sont dans le nord. Ok, oui, d'accord. En fait, il me prévient très tard. J'ai deux de mes tours qui tapent sur un nouveau bâtiment qu'il a posé. Mais il prend pas assez cher. Ouais, je les coule avant qu'ils arrivent, hein. C'est tellement plus efficace. Les tours ça fait 0 dégâts. 416. Toi tu fais une quantité de dégâts, 500. C'est plus important. Ah mais j'ai 500. Je vais le couler avant qu'il arrive. Vous avez vaincu l'unité adverse. Ça fera un campement de moins. Un de vos navires subit une canonnade. Ah, où ça? Là. Bon, je l'ai ralenti encore, mais. J'ai un gros bateau. Attends, normalement il fait mal ce bateau, ouais. Qui arrive parce que je l'ai payé. J'ai réussi à payer un bateau avec. Non, je vais me faire tuer. J'ai un bateau très très bien à moi qui arrive, mais il est très loin. Ok. Je vais devoir faire reculer un bateau pour le soigner. T'as des tours portuaires? Ah ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il est loin. Quoi? Ouais, je voulais savoir si t'avais un truc Ah là, un grand navire de commerce. Trop bien. Les barbares. Marchandises ou informations? Quel est le bien le plus précieux? Navire perdu. Je suis navré, mais je vais devoir vous demander de contribuer. Marché conclu. Jusqu'à chez moi ce sera un... Il y a le bras, ce serait une boule aussi. Oh là là. Et mes assassins, y'a moyen qu'ils viennent ou pas? Attention. Peut-être. Ah mais y'a du feu chez elle hein. Ah cool. Où est-ce que je pourrais débarquer pour que ça l'embête? Il m'a encore cassé. Il y a des trucs, mais ça doit être très faible. Allons nous installer là-bas. En avant! Nous vous écoutons! Ah, j'ai planté! Non, c'est vrai? La production oui! A été interrompue. Alors, sauvegarder la partie. Quitte pas pour l'instant. Hein. Ouais, je vois. Ah, bah du coup, on va s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter pour cet épisode parce que c'est pas du tout le bon moment. Ah là là, quelle tension! Quelle tension! Attends, ça va être chaud là, ça va être... Ah c'est bon, t'as sauvegardé. Le conseil des 10 vous remercie. Retour au menu principal. Hop. C'est hyper chaud parce que je peux pas faire grand chose.
Heureusement que j'ai deux gros bateaux de guerre. J'ai un énorme bateau qui arrive, mais que j'ai payé à 500 là, ou je sais plus qui. Parfait. Mais il va très loin, il vient de loin, heureusement. Mais il commençait à avancer près du bateau là. Pourquoi je vois encore l'écran noir? Eh bah, c'est vachement chaud, hein. En même temps, je pense qu'on s'en sort bien. J'ai réussi à couler beaucoup, beaucoup de petits camps avant qu'ils arrivent à terre. Enfin, de grands camps militaires avant qu'ils arrivent à terre. Bah ouais, Et voilà. ils sont rattrapés, hein. Et après, faut l'attaquer elle. L'avantage, c'est qu'en l'attaquant, on peut avoir des espions qui enflamment chez elle. Et dès qu'on fait une révolution chez elle, ça devient le bazar. Et elle peut presque plus J'espère rien qu'elle va faire. être ruinée en fait. Après, quand elle sera ruinée, je pense que tu auras gagné. En fait, j'ai coulé quasiment tous ces bateaux de transport, il n'en reste qu'un. Ah ouais? Et il lui Bah reste alors un gros on navire va de peut-être pas le transport, faire. et si on coule son gros navire de transport, ces bourgeois, ils auront plus rien. Je reviens. Bah il est où son navire? Je peux le taper son navire? Alors, démarrer la partie. Son navire Attends, de je reviens. transport, peut-être. Il est au milieu de la carte environ. Mais j'ai déjà envoyé un bateau pour m'en occuper. Ça devrait le faire. J'ai envoyé un bateau qui a pas beaucoup de force, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave parce que c'est un bateau qui a pas pour objectif de faire ça. Il y a un bonus que je devrais avoir sur les bateaux, c'est ralentissement réduit 50% deux fois. Parce que ralentissement réduit de 50%, si jamais vous l'avez en x2, ça fait 100%, et du coup vos bateaux vont aussi vite abîmer ou pas. Ça permettrait de fuir les combats alors que mes bateaux ont pris des dégâts. Ce serait intéressant que j'ai ça sur mes grands bateaux que j'ai achetés au vizir. J'espère que je pourrai les avoir prochainement. Du coup, va falloir que je. Moi, je m'en navire de. Du coup, moi, mon gros bateau, là, je vais essayer de taper avec. Sur les autres. Ouais. Sur son navire de transport. C'est vrai que si il y a la plus aucune ressource d'un autre endroit, ils vont commencer à se plaindre sur les gens chez elles. Et peut-être qu'ils feront la révolte tout seuls. Après, l'idéal c'est de couper le poisson aussi, en détruisant tous les poissonniers qu'elle met. Ça c'est un peu long. Au pire, je fais ça avec mon bateau et tu défends chez moi, au pire. T'es plus proche de chez moi que je suis proche de chez Ouais, elle. on peut tenter de faire ça. Mais je sais pas ce que ça donne la révolte que j'ai déclenchée. Bah, j'ai vu du feu, moi. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant pour la pénaliser beaucoup? Ça va coûter 4000, je crois. Ouais, ça coûte 4000, ouais. Donc autant que ça serve. Mais vu tout ce que ça a abîmé, je pense que ça le coûtera plus. Allez, levez l'ancre. T'as validé, toi? Je suis en attente, donc ouais. Alors c'est bon, alors mon gros bateau il est. Je vais casser son chenil. Fabuleux. Une honorable transaction. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Mon équipage d'abordage. Mes navires de commerce transportent des nouvelles marchandises en provenance de l'Empire. J'ai cassé le château. Si jamais. Non, 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 les affaires se portent très très mal et ça pourrait aller bien pire. Feu. Je sais pas où elle est. Je ne vois pas son bateau dont tu me parlais là qui était dangereux. Ah non, Qui un se autre. transporte. Là c'est chez elle.
Une transaction fructueuse, que du bonheur. Bon, bah, je vais venir vers toi parce que je ne vois pas où est son bateau. Donc, je vais taper. Tu peux mettre une tour horreur là où il n'y a plus son château. Ah, c'est bon, il s'en va. Bon, je peux pas, j'ai pas encore assez de bois. De pierre. J'ai réussi à couler ces deux bateaux qui arrivaient. Ok, moi je prends mon gros bateau et je vais un petit du coup essayer de taper ces ports. C'est à tout quoi. Ah non, mais c'est à toi, les nuits blanches. J'ai été aperçu dans votre colonie. Alors j'ai des sbires ennemis moi. Nous avons pu appréhender cette crapule juste avant. Votre espion nous annonce qu'un acte de sabotage ordonné par l'ennemi a été écarté. Parfait. Je vais me mettre que ma selon pour pas qu'elle puisse me taper dessus, mais. Ok, c'est bon aussi. Ok, son bâtiment militaire là, il a pris bien cher. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Nous avons anéanti les dernières forces de l'ennemi. J'ai un champ de site qui a dû se cacher. Ah, mais t'as pété le camp, très bien. Moi ouais, j'ai réussi. Invasion repoussée avec brio. Je crois que j'ai un champ de site. Vous devriez aller vous confesser une dernière. Ah, elle a un nouveau vaisseau amiral. De ce côté-là. Je dois pouvoir brûler des trucs. Ouais, je peux aller brûler son truc à bateau. Oui. Ah bah oui, ça c'est une armée d'invasion en fait. Ça coûte 25 d'or, j'ai pas 25 d'or. Oh, mais je suis à moins 100 d'or. Ah bon? Je n'ai pas peur de vos soldats. Mais je sais pas, je dois vous la donner. Je et ces hommes sont moins à vous. Ils ont plus assez de cidre, c'est ce que je suis en train de vouloir régler. J'ai plus de café pour eux. Changement de plan, mon gars. Tu vas aller donner du café là-haut. C'est bon, j'ai récupéré tous mes sous, mais je suis à 14 d'or. Tous les un petit temps. S'ils sont en vert, ils continuent à emménager. Ok, en emménager. Moins 171. Moins 191. Je perds beaucoup. T'as des sous en réserve? Non. Je suis entièrement à vos ordres. Ça devrait suffire à réaliser quelques investissements lucratifs. Ton personnage dit ça devrait suffire à réaliser quelques investissements lucratifs. Ah oui, oui, d'accord. Mais comment je peux faire pour essayer de récupérer tout ça? Parce que là, c'est catastrophique. Ah, je vais me faire couler un bateau par les corsaires. J'ai mis toutes les taxes super hautes, mais... Ah, il y a une ville, là, c'est vrai. C'est la ville du pain. Quelle arrogance! Quelle arrogance. On va voir, on va voir. Tu seras mort. Je tire sur ces trucs de... cabane de pêcheurs. De sa base. La production a été interrompue. Et je fais du 40. Attention. Comme ça, elle va perdre ses poissons. Mais je suis toujours à moins 74. Franchement, toi. Il doit me manquer des trucs. Je sais pas trop quoi, mais il doit me manquer des trucs. Il manque quoi, tes citoyens? Vous savez qui pourrait vouloir vous envoyer nourrir les poissons? Mon chemin est pisse, c'est ce qu'il y a quelque... Puisse Allah vous bénir pour votre bonté à l'égard de mon peuple. Ah, on a une maison qui est pas top, là. J'aurais besoin d'épices, c'est ça mon problème. Mon endroit à épices s'était cassé. Je serais heureux de vous aider. Ton endroit à épices a été cassé. Viens m'en acheter à mon endroit à épices. Ainsi, t'as cessé de produire. Ah, non, viens m'en acheter à ma base si tu veux. Attends. Non, là, je suis pas vraiment disponible. Ah, j'en ai pas tellement. Sans ma flotte, je ne pourrais jamais entretenir mes nombreuses relations commerciales.
Alors, on va tenter de rebrûler sa ville. Comment ça s'est passé le premier brûlage? Moi, je tape sa cabane de pêcheur et je vais taper toutes ces cabanes de pêcheurs autour. Ça a été insuffisant. Oh! Ah, je vois encore du feu chez elle. Ouais. Je crois savoir où je pourrais me cacher. Si tu casses ces cabanes de pêcheurs, moi j'en ai pas beaucoup chez moi des cabanes de pêcheurs, donc je sais que ça me ferait bien mal. Mais elle en refait si vite que nécessaire. T'en as 4 sur le même bord. Et c'est le seul endroit où il y en a d'ailleurs après. C'est où qu'elle en a? Un peu plus haut sur l'île. À ta droite. Ah, t'occupe pas des champs, c'est pas très très... Parfait. Cette cachette est idéale. Ah ouais. Bah oui. Une juste transaction. Moi, il y a les IA qui continuent à m'acheter, ça tombe bien. Avec plaisir. Yes, il y en a 4 au même endroit. Si je tape les 4, ils vont être dans la même. Ouais. Et en même temps, je lance le révolte du peuple. Ouais. Pendant qu'il y a un incendie à l'autre bout de la ville. Un bateau qui va vite récupérer des ressources. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Et j'ai ce bateau qui va tout de suite aller chez toi pour essayer de t'acheter des épices. Non. Il y en a un qui est là. Ce bateau, je pourrais m'en servir. Parfait. Il y a un bateau qui vient vers toi. Puis-je t'acheter des épices. En plus, elle tape même pas mon bateau parce qu'elle peut rien lui faire. En fait, elle a rien pour taper le bateau, elle a aucune défense au niveau de ces trucs de. Mon espion harangue la foule. Oh, il y a déjà des gens qui viennent avec des torches. T'as réussi? Ah. Allez, moi aussi j'ai un espion, juste que j'ai pas du tout de soucis, il faudrait pas que j'utilise mes. Vous êtes le diable en personne! C'est un navire à elle, ça. Ils vont bientôt pas être contents, ces gars, parce qu'ils ont peur de la nourriture. La production. À part si elle a des livres de prison très souvent. Attends, attends, faut que je change de bâtiment. La volonté de Dieu n'est pas de verser. J'étape un peu les différents bâtiments parce que sinon je regrette après, ça, en fait, ça les enflamme à force. Et du coup, j'ai pas intérêt à toujours taper le même. Parce que maintenant, ils perdent de la vie tout seul. Ouais. Vous êtes le profil idéal pour ma modeste non, mais je m'en mission. Fous de ta reconnaissance, vous aimez les surprises. Comment on jette quelque chose à la mer? Un navire de première classe. Je sais pas. Si tu fais clic droit. Il est débile mon bateau, il fait des tours et des détours. Un adversaire a bâti un château sur votre île. Ok, merci, j'ai réussi. La production a été interrompue. Y'a pas trop moyen là par contre. Je suis tout près de chez toi si tu peux vendre des épices. Tu vois le château hein? Ouah. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? Ouais, y'a un château sur mon île. Tu peux prendre ton petit navire de guerre qui est chez moi et aller attaquer le château. Attends, je vois pas de château, non, je le vois pas. Quel sera votre ange de la mort? Château, je vois. Quoi, y a un bâtiment qui subit une attaque, c'est où? Votre parole est la loi de ces hommes. Alors vite. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah, mais c'est les corsaires! Oh, les relous! Hop, on va essayer de couler ça. Seule la fine fleur des marins a l'honneur de servir la flotte de commerce orientale. On va, je vais aller casser son château de mon côté. Quoi, j'ai plus de bateau en deux. Une transaction équitable. Ils vont juste taper mes tours, c'est pas la mort. Ouais, ils sont pas trop relou. Oh, y a un bateau là-haut. Attention. Ils vont pas s'amuser à taper mes tours, à casser. Ok, maintenant tu tapes celle-ci. J'ai tapé plein toutes ces maisons de bouffe, il y en a de nourriture, ouais. Il y en a déjà une qui est morte. Elle devrait bien, tout se bien, casser bien, bien. Peu à peu et elle devrait rapidement avoir des problèmes. Et après, elle en a recréé une là, mais elle va pas pouvoir en créer de la fin. Ouais, cool. Elles sont toutes en feu presque. Et elle va pas pouvoir en recréer à l'infini. Ok, elle lui m'achète du pain, c'est parfait, ça me fait du fric. Ah, il m'a même pas
pas, donc il a pas aimé. Vous avez l'opportunité d'acheter un nouveau vaisseau amiral. Vous allez devoir. Mais je pas, enfin, si je pourrais lui acheter, mais je sais pas. Je suis navré, mais je vais. Je serais heureux de vous aider. Il y a un gars qui me propose un vaisseau amiral. Alors oui, ça m'intéresse. J'ai pas les sous. T'as pas les sous? On va résoudre les ça. Les ennemis débarquent sur la côte de votre île. Oh oh. Ah mais c'est même pas mon île ça. Enfin, c'est l'île où j'ai posé un château, c'est tout. Rappelez vos chevaliers avant que je ne m'énerve. Ça me plaît. Yes, je lui ai cassé presque toutes les cabanes de pêcheurs, elle en a créé une, je vais directement aller la casser. Ah non mais elle est cassée la nouvelle. Yes, elle a plus de cabane. Ah si, elle a une cabane de pêcheur juste là. J'essaie une nouvelle technique de combat. On s'approche à son niveau et après on fait feu. Okay, bah comme moi ça le bateau va pas trop à s'incliner. Bah moi je suis en train de taper sa bouffe. Donc je pense alaykoum. Qu'il a pas trop. C'est je suis vraiment en train de la mettre en faillite. Nourriture. Parce que tous ces gars ils vont dire on a faim, on a faim. Et elle va rien pouvoir faire. Et elle vend de la nourriture. Elle vendait de la nourriture et maintenant elle en vend plus. Elle a plus du tout de nourriture. C'est parfait. C'est un petit bateau ça. Dans son endroit à vente, il y a écrit nourriture 36 et il y a écrit 0. La production a été interrompue. Après, elle vend pas forcément tout. Et t'en vends toujours un minimum, non? Non, c'est parce que quand tu vends 20, quand tu vends 20 au début, ça représente seulement la moitié de ce que t'as. C'est si jamais t'as plus de 20, attends. Dans ce cas-là, ça vend. Attends, on m'attaque mon navire. Ce navire n'a jamais. Ah, mais c'est il est toujours c'est judicieux. Méchants, Ah, c'est ton grand rouage marchand qui a attaqué. C'est pas des dangers, c'est pas des dangers, c'est pas des dangers, c'est les méchants. Pas les méchants. Moi, je tape ces trucs de bouffe, donc elle arrive plus à avoir de la bouffe à ce que je sache. Elle est en train de repousser mon invasion qui est constituée seulement d'un château. Et moi je suis dans le but de retrouver une logistique de sous. Parce que là je perds toujours des sous, hein, la fille. Hein? Mais t'inquiète pas, je devrais bientôt pouvoir demander ça. Un de vos bâtiments subit une attaque. Parce qu'en fait j'ai un bateau qui fait un trajet. Où allons-nous? Honneur et gloire! Vous seriez bien inspiré. J'ai deux bateaux qui vont faire le trajet. Vous regretterez ceci. Allez, retour. Il y a des choses parce plus que importantes du coup, ça que ça de gagner rapidement de la. Attends, je me fais taper mon navire. Ah, c'est une vieille tour à eux. Ah, elles ont mis des jarchers sur ces tours. Place-toi là. Ah, sauvegarde. J'ai eu peur, j'ai vu mon bateau disparaître. J'ai fait. Ah non, c'était juste une sauvegarde. Ah, d'accord, je me disais pourquoi j'avais pas de bateau qui alliait. Parce qu'en fait. Un de mes deux bateaux que j'ai mis dans mon commerce d'épices, c'est le bateau de guerre. Ah, faut éviter. Si tu peux. Le petit mot là est corrompu, mais on est même plus. Je me suis écarté pour pas qu'elle puisse me taper avec ces trucs et ça marche plutôt bien. Je crois que je vais vérifier normalement. Ah bah elle a déjà reconstruit des trucs de ma de flotte là, donc je n'a y pas aller. Une immense envergure si je à comparée je à celle de notre puissant sultan. On est d'accord Hydrolien, si je lui casse à l'infini c'est trop pas aimé. Si jamais tu lui casses à l'infini. Qu'est-ce qu'il y a? Ce bâtiment de pêcheur. Ah bah oui, ça va lui coûter, ça lui va finir par lui coûter cher. Vous avez été vaincu. J'arrive pas à les casser, elle les reconstruit trop vite. Ça. Elle leur construit un à côté d'un que je suis en train de casser. Elle leur construit deux à l'endroit où il y en avait quatre. Attention. Ainsi, t'as cessé de produire. Elle a détruit mon campement d'assassin. Pourquoi il me suis tapé super proche? Chaque marchandise transportée à bord de ce vaisseau a été livrée à bon port sans encombre. Par rapport à là-bas. Y'a moyen que tu déloges le château, horreur?
Quel château? Il ne reste ni celui qui est sur mon île. Ah, il est là. Sur mon île principale, près de là où il y a les maisons. Oui. Mais du coup, je peux pas après. Bon, je veux bien, mais ça me consomme. En fait, j'aurais besoin de tourner d'après. Si tu... Je vais t'aider. Ouais, ouais. Parce que c'est bateau à. Et les rivages, tu sais? Non. Vos troupes sont victorieuses. Est-ce qu'ils ont des épices maintenant? Non, ils ont toujours pas leurs épices. Un sbire ennemi a été aperçu. J'avais dans votre colonie. Nous avons empêché le pire d'arriver. Juste à temps. D'accord, en fait, elle a un bateau juste à côté de moi. Juste à côté de du vent! Ouais, ça va, il est trop lent pour m'embêter. Mes fidèles chevaliers, nous nous battrons et nous vaincrons. Que Dieu guide nos bras et nos épées. Ok, bah, je vais commencer à lui mettre cher au truc, mais ça va être doucement parce que ça fait que 40. Hein. Les troupes ennemies débarquent sur la côte de votre île. Ah, il monte sur mon île, moi. Je peux tromper le truc. Ah mais c'est pas mon île ça, ils ont pas pigé. Yes. Il y a un de mes bateaux qui est parti avec 40 épices, donc je vais pouvoir enfin donc. Bah je tape la tour, mais ça va prendre du temps. Je tape la tour. Je tape la tour pour qu'il dérange, qui est très dérangeante. Je... Approchez ah, et préparez-vous à couler. Le truc c'est que les bateaux que j'ai moi là ils coûtent une fortune hein. Après je te... T'as encore des bateaux toi ou pas? Ouais j'ai encore des bateaux oui. Les navires de commerce ils peuvent taper ou pas? Je crois pas. Les navires de commerce. Petits navires de commerce, non ils ont pas, ils peuvent pas. C'est quoi ça? Je comprends pas les sigles de ce qui me manque. Ils me disent qu'il me manque des trucs. Il me manque 30 bandages et 30 épées collées l'une à l'autre. Ce problème, je veillerai à ce que le sultan en soit d'informé. Ah là, il y a des bateaux qui doivent arriver. Il y en a un qui arrive là, par exemple. Un bateau ennemi. Des... Ouais, je vais m'en charger. C'est des... Elle envoie toutes ses troupes armées ici, en fait. J'ai mis un château exprès en me disant que si jamais elle envoyait ses troupes armées pour défendre ses trucs, ce serait plus simple. Ce navire m'a coûté. Apparemment, j'aurais gagné des sous là, mais c'est bizarre, j'en ai pas. Il n'y a pas homme sur ce navire qui n'ait pas d'ennemi sur la conscience. Oh non, il m'a coulé un bateau. Là pour ça, je suis juste en train de t'aider pour essayer de sauver tes... Votre peuple se languit de trouver de la compagnie. Ah, il a encore 1600. En fait, il nous faudra une grosse flotte. Mais je peux pas créer sans cordage. Mais c'est quoi les épées là, les sigles épées? C'est des armes, c'est ça? Ouais, peut-être. Bah, il faut. Ah, c'est des... On peut en fabriquer. Non, c'est des armes. Et comment je fabrique ça? Avec un forgeron d'armes. Ce ah, c'était ça, que j'ai fait, je crois. Non, ce que j'ai pas fait. Reine de ton, c'est où le forgeron d'armes? Parce que ah, forgeron d'armes. Bon, ça se fait qu'il manque du charbon. Ah, il faut juste de la tôle, bah, c'est parfait. Prêt. Faut juste qu'il y ait des gars qui se dépêchent pour aller chercher la tôle. Ah, il manque juste en fait un. Une charrette. MDR. Et ça depuis ouais, tout à l'heure. Qui va Attention. Chercher de la tôle pour le faire. Attends, ça coûte 10 de tôle. Non, ça coûte 1 tôle pour un de... 2 tôles pour un arme, ok. Ok, alors ça les armes, ça va pas être très compliqué ah mince, à faire. Et passer, le cordage. J'ai, fait gaffe. J'ai pas de gars de cordage. Ah, faut juste de la cocaïne. Qu'est-ce que tu racontes?
Ça devrait leur être apporté. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. J'ai un fabricant, j'ai un bûcheron à 6%. Il est extrêmement bas. Ok, donc là j'ai des créations d'armes, d'accord, tranquille, tranquille. Et il me faudrait des créations de cordage. Il y a un gars qui lui apporte son cordage ou... Vous êtes le diable en personne! Alors, des bateaux qui bougent. J'ai encore fait couler mon bateau ou pas? Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de la terre natale. Ouais, raccourci. Ah, il était là. C'est lui. Hop, on va le mettre en position 2 dans le raccourci. C'est un bateau ça? Petit navire de guerre. Ce serait cool si je pouvais faire de la. Pourquoi ça n'est pas apporté? Ah, c'est peut-être ça qui apporte là. Ah, l'armée du poisson. Moi j'ai un petit problème. Quoi donc? Bah j'ai. Je peux pas faire de cordage. Tu veux m'en acheter? J'en ai. Ah, victoire, j'ai cassé, le bâtiment ennemi là. Attends, je vais poser mon bâtiment à cordage plus proche des trucs de cocaïne et tout. Donc t'as des chambres en fait, du champ. Oui, c'est pas de la cocaïne mais... Dans le rayon. Dans le rayon avec une route. Et peut-être un truc à proximité. Il est bien collé là, il y aura pas de problème. Si je peux vous aider de quelque manière, le conseil des 10 vous remercie. Il a un truc de chambre juste pour lui, ça va juste prendre un peu de temps pour se créer mais... Ça lui suffira. Alors, mon gros bateau. Ok, je suis à plus 16, parfait. Il y a une route jusqu'au charbonnier, d'accord. En quelle façon un de vos navires subit une attaque. Oui, il y a une route. ça me saoule. Il y a encore deux bateaux ensemble. Ah, on n'arrivera jamais à les tuer. Ça plus 16, c'est rien, mais c'est déjà ça, quoi. Elle vient vers quoi dans le sud? On va pas s'installer quand même. Sauver des naufragés, deux naufragés, apportez-leur. Je suis navré, mais je vais devoir vous demander. J'accepte cette transaction. De blé. Je peux pas faire tout ça. Ok, c'est bon, mon bateau est réparé, je vais aller faire énerver les. Un de vos bâtiments subit une attaque. On peut pas attaquer une petite ville des Blancs, sinon. Château, ah oui. Bah, c'est ce que j'ai fait en quelque sorte, mais. Où ça? Son île tout au nord, au centre. Tout au nord, au centre? Yep. C'est l'île principale, quoi. Non, non, pas l'île principale. Tout en haut, au centre, là. Ah oui, il y a des bâtiments qui sont... Marchandises ouais. Ou informations ouais. Quel est le bien le plus précieux? J'y vais, je suis mort, mais j'y vais. Je suis pas dégoûté mon bateau. Mais je crois que je suis quand même assez loin. Il était chez toi. Ouais, c'est quand même assez loin, mais je vais y aller. Vous devriez aller vous confesser. Ta masse de sous, je peux acheter un vaisseau. Masse de sous, c'est combien? Je serais ravi de vous proposer mes services. 3000. Oui, cela devrait financer les travaux. Vous entendrez parler de moi. C'est toi qui m'offre, attends. 3500. Bah, j'ai 4000, donc ouais, je peux l'acheter. C'est un vaisseau amiral. Bah, je vais au même endroit pour essayer d'attaquer sa ville à lui. Hein. Sa petite ville, du pauvre. Merci beaucoup pour cette aide. Je crois savoir où je pourrais me cacher. Attends, d'aller attaquer ces bateaux. Ce qui me permettra, en l'occurrence aussi, de t'aider si tu avais un problème. De type attaque de ton château. Ce navire m'a coûté une petite... Avec ton petit navire de guerre, tu voudrais pas péter ces nouveaux poissons? Petit ça navire de guerre près de son île. Je vais taper sa petite île. Sa petite île où?
Tout en haut, la cassette milieu, parfaite. Ouais. Maintenant, alors, le grand rouage marchand il servira pas. Mais le verso amiral, pourquoi pas? Comment ça, le grand rouage marchand il servira pas? Le moment opportun doit être choisi avec soin. T'as un grand rouage marchand qui va vers là-haut. Non, j'ai pas compris. C'est ça le grand rouage? Je sais pas ce que c'est un grand rouage. Comment on connaît le bateau? Ce que c'est comme bateau? Tu vas dessus, tu sélectionnes. En cliquant sur le bateau. Là c'est un vaisseau amiral. Voilà, tu vois si c'est un vaisseau amiral ou un grand rouage marchand. Petit. Ton grand rouage marchand il est à Lille. Sans ma flotte je ne pourrais jamais entretenir mes nombreuses relations commerciales. Il fait des dégâts? Il fait 8. Ah. C'est lui qui a payé 1500 qui t'aide depuis tout à l'heure. Mais ça c'est un feu, je peux pas le casser plus. Ah mais pour 600 tu pouvais acheter un bateau qui fait 10. Bon, c'est à peu près pareil. Pourquoi je peux pas tirer dessus? Pourquoi tu peux pas tirer dessus? Je ne sais pas. Je vais taper. Vous avez sur fait une bonne affaire cette fois. Mais j'ai fait un groupe. Tu peux genre sélectionner un groupe entier donc en faisant genre contrôle 1 et du coup quand tu fais 1. Oui, tu peux faire ça. En faisant contrôle 1 justement. Alors allons chercher lui. Là. Toi, tu vas te réparer. Toi tu casses. De toute façon j'ai pas si j'aurais pas eu 600 de sitôt. Commandez. Je suis encore à 47. Et ces hommes seront. Ouais, fallait vous. Que je sois à 100 là tout de suite pour que ça soit. Est-ce qu'il m'a pas mis t'aider et tout et tout? Salam aleikoum. Hein. Faut pas. Vous savez parler aux gens. Alors. Bah du coup je vais lui faire beaucoup plus un mal. Un de vos navires est attaqué par les corsaires. Bon elle me déteste, mais là je commence à m'habituer. Je tu sais les moyens de rapporter des. Ah oui mais ça fait mal mes deux bateaux. Ah c'est à elle ça. Il y a un bateau à elle. La production a été interrompue. Yes, il y a un bateau à elle qui vient de rejeter. Bon du coup je me suis pas trop fait. J'ai pas tapé son bateau à elle. Grâce à toi, je fais presque deux fois plus mal. Et du coup, elle est déjà à 1500. Je fais ça pour pas qu'elle puisse rapporter des ressources après, genre en bas. Sinon, elle aurait juste à rapporter un bateau. Vous devriez aller vous confesser et... une dernière fois. D'ailleurs, elle a un vaisseau amiral en bas. Classe. Ah bon? Sur son île en haut. Elle a un vaisseau qui arrive près de mon château, là où il y a des combats. Ouais, t'inquiète pas. J'ai fait mal. En fait, c'est juste un bateau qui voulait poser des ressources. Un de vos bâtiments subit une attaque. J'ai un bâtiment. Mon château, il va finir par tomber. T'inquiète pas. J'essaierai de défendre si je peux. C'est quoi qui tape ton château en fait? Le campement qui est à côté. Mais je pense pas que t'aies le champ de vision. Par contre, tu vois les petits campements qu'elle a. Petits campements militaires. Ça, tu peux leur tirer dessus. Attends, mais là je suis en train de taper un truc qui permet qu'elle rapporte des ressources. Ouais, ouais, comme c'est ça, un bon y a plan. Pas de ressources pendant ce temps-là. Je sens qu'elle va le faire. Parti, et... sauvegardé. Son vaisseau amiral est en train de vouloir rapporter des ressources. Ah, la suite au prochain épisode, on verra si on s'en sort pour cette guerre ou non.